Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour ce rendez-vous de l'actualité. Consacré donc aujourd'hui au Yémen, qui c'est une bonne idée, excellente idée d'avoir pensé à consacrer au moins 7h30 au Yémen, qui, vous le savez, est en pleine guerre, même si le Yémen est en guerre depuis fort longtemps. Mais bon, on va dire qu'il y a en ce moment une guerre civile assez redoutable, qui, avec beaucoup d'intervenants, y compris étrangers, on va essayer de voir un peu, d'en parler, de voir un peu s'il y a des solutions à cette guerre en ce moment. Des rendez-vous de l'actualité qui donc se passent ici à l'Institut du Monde Arabe, que je remercie de les organiser, parce que ce sont à chaque fois des occasions de faire le point et d'essayer d'entrer un petit peu plus avant dans l'actualité d'un pays ou d'une région qui, de toute façon, me semble extrêmement importante, ne serait-ce que pour comprendre ce dont on a l'habitude de dire de cette région du monde. On a l'habitude de dire que c'est une région du monde extrêmement compliquée. Ça m'agace toujours un peu quand on le dit, parce qu'en fait, rien n'est véritablement aussi compliqué qu'on veut bien le dire, même si on s'applique souvent à compliquer un peu les problèmes. On a ici une carte du monde arabe en général, ce qui nous permet un peu de situer le Yémen. On va ensuite, qui est donc là-bas, en bas de la péninsule arabique. J'ai tenu d'abord à vous présenter peut-être les intervenantes de ce soir à cette conférence, à cette rencontre, plus que conférence. Laurent Bonnefoy, vous êtes spécialiste de la péninsule arabique et des mouvements salafistes, si j'ai bien compris. Vous êtes chercheur au CNRS. Et vous êtes donc un bon intervenant pour nous pour essayer de comprendre un peu les enjeux actuels de la guerre au Yémen. Juliette Onvaux, vous êtes historienne, vous êtes aussi chercheuse au CNRS, vous avez vécu 4 ans sur place, donc dans cette république du Yémen. Vous allez nous en parler, vous allez peut-être nous donner aussi une perspective un peu historique à ce pays, qui sans ça manque peut-être pour nous de chair, vu qu'on en parle finalement assez peu. Et puis, nous avons la chance d'avoir avec nous Habib Abdulrak Sarori. Vous êtes écrivain, vous êtes poète, et puis vous êtes aussi professeur d'université. Décidément, je suis entouré d'universitaires à Rouen, je crois. Vous venez de publier un livre qui s'appelle, je crois, « La fille de Souslov ». Vous nous en parlerez peut-être un peu, mais surtout, vous êtes aussi là pour nous parler un peu de littérature, un peu de culture yéménite, pour qu'on essaye de comprendre un peu mieux quel est ce pays et de quelle façon est-ce qu'il faut l'aborder. Parce qu'une guerre, ce n'est pas seulement des gens qui s'affrontent et des victimes. La guerre du Yémen en compte en ce moment, enfin, c'est la plus récente, celle qui a commencé en juin 2015, on va dire, avec l'intervention des Saoudiens. Officielle en tout cas, celle-là compte, on peut le dire, aux alentours de 10 000 morts jusqu'à présent, voire un peu plus, des frappes aériennes, des réponses de part et d'autre, et puis finalement une situation qui est assez bloquée depuis lors, puisque au fond, rien n'a été grandement gagné, ni rien n'a été grandement perdu de la part des forces en présence, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Je voulais juste qu'on prenne un petit peu le temps de décrire ce Yémen. Le Yémen, c'est d'abord, il faut le savoir, aussi grand que la France. C'est 520 000 km², c'est quand même assez étonnant. On a toujours l'impression que ce pays est tout petit, là, comme ça, au fond de la péninsule arabique. En fait, c'est très grand. C'est très grand, c'est très montagneux. Et c'est surtout extrêmement peuplé. Je crois que c'est même un des pays le plus peuplé de la péninsule arabique. C'est 27 millions de yéménites. Je rappelle que si l'Arabie saoudite fait 20 millions de personnes, elle aussi, ce ne sont pas forcément 20 millions de Saoudiens. C'est une grande partie de la population saoudienne, comme de la population des autres pays du Golfe, sont essentiellement composés d'étrangers venus travailler, enfin essentiellement pour part composés d'étrangers venus travailler là. Le Yémen, c'est donc avant tout, et ça je voudrais voir avec vous, avant de vous donner la parole, c'est avant tout un géant démographique dans la péninsule arabique. Ça marche ? Je crois. Oui, effectivement, c'est un pays qui est très très peuplé, comme vous le disiez, qui est le plus peuplé de la péninsule arabique, et ça a une cause, une raison. La raison principale, c'est que c'est sa situation géographique. Donc, tout au bout de la péninsule arabique, en fait, le Yémen est construit autour d'un massif montagneux extrêmement important, très élevé. Enfin, le sommet culmine à plus de 3000 mètres. La capitale Sanaa est à 2500 mètres d'altitude. C'est pour vous donner une idée. Et évidemment, enfin, cette altitude permet de retenir les pluies, des moussons qui viennent en fait d'Asie, qui rebondissent en quelque sorte à l'intérieur de la mer Rouge sur l'Éthiopie
pour venir se déverser donc sur ces montagnes yéménites. Ce qui, évidemment, permet une agriculture importante, c'est qui s'organise autour de terrasses. Voilà, c'est vraiment la spécificité géographique de ces montagnes qui sont vertes, avec donc des cultures en terrasse. Et puis, à certains endroits même, un climat quasi tropical. On trouve des singes, des bananiers, ce qui paraît complètement fou quand on vient, en tout cas, de la péninsule. Hein, c'est cette verdure. Et oui. Oui, non, je disais que c'était... Le Yémen, c'est l'Arabia Felix des Romains, c'est-à-dire c'est l'Arabie heureuse en fait. Absolument, c'est ça. C'est là où effectivement, sortie du désert, eh bien il y a cette vie là qui est possible. Et avant même que ces terrasses aient été cultivées, il y a eu au Yémen des royaumes très très importants dans l'Antiquité. Hein, on les connaît, c'est le royaume de Saba, mais il y en a d'autres, le royaume de Himyar. Qui, eux, étaient situés sur les versants orientaux de ces montagnes, c'est-à-dire tournés vers l'intérieur des terres. Là aussi, il y avait une subtilité humaine là, qui, en fait, était due à la maîtrise de l'eau, extrêmement fascinante. Hein. C'est là où a été construit ce fameux barrage de Mareb, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui a permis, voilà, pendant des centaines d'années, donc, de voir prospérer une civilisation extrêmement riche, tournée donc vers le commerce, mais aussi la culture. C'est vrai que, par exemple, la maîtrise de l'eau qu'on retrouve, par exemple, en Espagne, hein, on retrouve importée par les Arabes, qu'on retrouve en ce moment dans la région de Valence, au fond, semble-t-il, serait née là, c'est-à-dire serait née dans cette partie de la péninsule arabique où l'on a maîtrisé l'eau d'une façon très ancienne. Bref, on peut presque dire qu'au fond, l'essence même de la d'une partie de notre civilisation est née là. Vous m'apprenez ça hein, sur l'Espagne, je ne savais pas, mais... À Valence, dans la région de Valence. Sur plein de points, en fait, le Yémen est assez central dans l'histoire du monde, hein, j'ai envie de dire. Enfin, il y a effectivement donc ça, donc ces cultures en terrasse et puis cette maîtrise de l'eau qui a été très, très précoce. Mais après, il y a le fait que voilà, la plupart des Arabes qui ont envie de se revendiquer d'une certaine pureté originelle se tournent tous vers le Yémen. C'est là que c'est de là que vient vraiment le vrai arabe, si j'ai envie de dire. Quand on connaît, voilà, si pour vous remettre un petit peu les choses en place, il y a dans l'imaginaire arabe les gens du sud, les vrais arabes, ceux qui descendent d'un ancêtre éponyme qui s'appelle Kartan, et les gens du nord qui sont descendent de Adnan, mais les plus purs, voilà. ce sont les Yéménites qui ont été donc les descendants de Kartan, qui ont été parmi les premiers à conquérir le monde au service de l'islam. Voilà. Eh bien voilà, je crois que c'est très bien d'avoir fait cette petite mise au point pour montrer combien le Yémen est central. J'aimerais me tourner vers vous. Si donc les Arabes les plus purs sont du Yémen, leur poésie doit donc être la plus pure, puisque la poésie est consubstantielle à la langue arabe. Oui, enfin, je vais parler de la culture en général, et je terminerai par la poésie. C'est vrai, en fait, c'est ce qu'on a conclu avec Laurent, le Yémen, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de chance. Donc, c'est d'un côté un pays rêvé, fantasmé, vous avez parlé de l'Arabie heureuse, etc. Et de l'autre, c'est un pays oublié complètement, voire méprisé, malheureusement. Donc c'est un paradoxe flagrant. Donc évidemment, ce qui reste, ce que les gens connaissent plus ou moins, c'est cette architecture magnifique, Yashibam à Hadramaut, ce qu'on appelle le Manhattan du désert. Oui, c'est des grands gratte-ciels. Des gratte-ciels en adobe de 10 à 15 étages. Ouais. Il y a la vieille Sanaa, une ville magnifique, sur des rochers, des grandes... C'est tout ce que les gens connaissent quasiment. À côté de ça, il y a plein de trésors. Donc, il y a le Tihama, sur la mer Rouge, il y a l'archipel de Socotra, il y a plein de choses fascinantes. Donc, on connaît ça, mais par contre, on ne connaît pas tout ce qui est culture, tout ce qui est littérature. C'est occulté, exprès ou pas, je ne sais pas. Ça me révolte, souvent. Et même l'histoire de la philosophie, des mathématiques,
on n'en parle pas du tout. Oui, parce qu'en plus, le Yémen a cette chance d'être le vrai pont, en fait, entre, par exemple, les mathématiciens de la tradition mathématique d'Inde. Exactement, et une partie de l'Afrique, notamment des royaumes éthiopiens. Et oui. ce qui a permis en fait au monde arabe aussi d'être alimenté par le Yémen, oui. de philosophie et de mathématiques. Absolument, absolument. Donc avant de parler de mathématiques, de philosophie, je vais juste parler un petit peu de ce qu'on connaît aussi du Yémen. On parle souvent du Aden de Rimbaud. Mmh. C'est vrai, Aden était une ville cosmopolite jusqu'à il n'y a pas longtemps, enfin jusqu'à quelques décennies. Il y avait une groupe indienne, éthiopienne, de l'Asie de l'Est, etc. Mais même ça, on présente mal, on se contente sur quelques phrases que Rimbaud a dit sur les rochers d'Aden. Alors qu'avant de mourir, il voulait mourir à Aden. Donc dans le livre « Lettre à mon frère » d'Isabelle Rimbaud, il était même jalouse d'Aden. Pourquoi l'as-tu aimé à tel point que tu voulais mourir là-bas ? Verlaine, qui disait aussi qu'il a passé une vie agréable là-bas. Il est parti quand même 43 saisons sur place. Donc, c'est curieux, on présente souvent Aden, on oublie beaucoup de côté. Bon, revenir un peu sur les mathématiques, par exemple. C'est pas une anecdote, pour moi, c'est quand même symbolique. J'étais une fois à une conférence d'un spécialiste du CNRS des mathématiques du Moyen-Âge. Il parlait du l'apport des mathématiciens arabes sur les équations de deuxième degré. Donc pendant une heure et demie, il montrait un peu tout ce qu'on a apporté, du Koufa jusqu'à l'Andalousie, en passant par le Caire et par Marrakech, etc. Il y a déjà la formulation algébrique qui n'existait pas avant, avec les variables, etc. Mais ils ont mis plusieurs catégories qui ont étendu, l'approche euclidienne des Grecs pour résoudre les équations qui n'ont pas été résolues auparavant. Donc, pendant une heure et demie, il montrait toutes ces écoles-là. Et à la fin de la conférence, il y a une question qui était posée dans la salle. Mais pourquoi on n'a pas pensé à trouver les racines de ces équations, comme on fait aujourd'hui, par des formules, à partir des coefficients de ces équations ? Curieusement, le nom du Yémen est sorti à ce moment-là. Il a dit non, en fait, il y avait un Yéménite qui s'appelait Ibn Jellad, que je ne connaissais même pas moi, alors que je suis professeur des universités en maths appliquées, qui a résolu ça un siècle avant les autres. Il est parti, il a donné pour chaque donobre, on va trouver l'équation dont ils sont racines. Et après, il a fait le raisonnement inverse. Donc, quelque chose de très moderne. Mais on n'en parle pas. Pareil, les Mu'tazilites, qui étaient des libres penseurs du Yémen, on n'en parle pas du tout. Je termine par la littérature et la poésie. Effectivement, la poésie est très enracinée au Yémen. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, notre jeu de famille, c'était ce qu'on appelle le duel, le cigale. Ouais. C'est un jeu du jeudi soir. Ça s'appelle le cigale. Cigale, c'est sijal en arabe, c'est duel en fait. C'est un jeu où chacun prononce un vers de la poésie arabe classique d'avant l'islam, souvent, et l'autre doit donner un autre vers qui commence par la dernière consonne du vers cité. Et le gagnant, au bout de 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est celui qui arrive toujours à citer un nouveau vers qui n'a jamais été cité auparavant par les autres. Les femmes à Tihama, par exemple, pendant qu'elles écrasaient les piments, elles répétaient ce qu'on appelle Al-Fiyat bin Malek, ces 1000 vers qui regroupent les règles canoniques, grammaire, etc. Donc, il y a une culture qui est complètement inconnue ici, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est ce mépris ou cet abandon du Yémen ou de cette occultation du Yémen date depuis longtemps. C'est vrai, sa place géographique n'est pas terrible. Elle est entourée par des pays qui ne veulent pas du tout marginaliser le Yémen. Mais ça commençait déjà au 7e siècle. Au 6e siècle, c'était un pays envahissant, c'était un pays avec plein de... Et puis, le rapport de force dans l'Arabie a été modifié. Le Nord l'a emporté sur le Sud. Du coup, le Yémen est dans l'oubli depuis ce temps-là. Justement, je voulais voir ça avec vous.
Il y a quand même une malédiction, parce que le Yémen, est après, on le voit bien, on vient de l'entendre, là, c'est à la fois le pays le plus peuplé, probablement le siège de la civilisation la plus ancienne, citadine, par ailleurs de l'agriculture. Il y a donc beaucoup de choses qui font du Yémen, qui pourraient faire du Yémen le centre de gravité, et qui d'ailleurs probablement le font en sous-main aussi, le centre de gravité de la région. Et pourtant, il est entouré de voisins qui visiblement n'ont de cesse que de diviser le pays, et surtout de le contenir. Est-ce qu'on a peur du Yémen, par exemple, vu d'Arabie Saoudite? Alors, pour ce qui est de, on va dire, la malédiction du Yémen, je pense qu'elle est assez simple. L'ensemble des pays de la région seraient touchés par cette malédiction s'ils n'avaient pas de pétrole. Il est entendu que la région manque d'une certaine manière de ressources en eau, d'un climat tempéré. Or, il se trouve que pour ce qui est de l'Arabie Saoudite et puis des monarchies du Golfe, il y a ce pétrole ou ce gaz qui a permis de faire une espèce de bond en quelques décennies dans la hiérarchie des richesses mondiales. Et le Yémen a été, pour une part, malheureusement épargné par cette capacité-là, tout simplement parce qu'il y a très peu de ressources, ou pas assez. Et puis, en même temps, on pourrait dire aussi heureusement, parce que cette pauvreté matérielle, d'une certaine manière, a permis aussi de préserver une richesse culturelle. Je me souviens de Pier Paolo Pasolini, donc l'intellectuel italien, qui, lors d'un voyage, avait décidé qu'il tournerait à Sanaa et à Zabid ses 1001 nuits. Et puis, il avait fait un petit film pour rappeler à la préservation de la vieille ville de Sanaa. Je ne sais pas si vous étiez là initialement. Vous avez eu des photos donc de l'AFP. Et sur une des photos, vous voyez défiler la vieille ville de Sanaa, qui ressemble à une... C'est un joyau absolu pour toutes les personnes qui ont un petit peu voyagé dans le monde. Je pense qu'en général, s'ils ne les classent pas parmi les 2 ou 3 villes les plus belles qu'ils ont pu voir, ils sont assez malhonnêtes, parce que c'est absolument magnifique. Et donc, Pier Paolo Pasolini, quand il a visité Sanaa, a dit que d'une certaine manière, la pauvreté avait permis de préserver. Et ce n'est pas totalement faux. On peut le déplorer pour les Yéménites, mais d'une certaine manière, peut-être pour le plus long terme, peut-être pour l'héritage aussi culturel, c'est malgré tout quelque chose qui a été préservé. Après, pour ce qui est du rapport avec les voisins, là, on entre dans quelque chose qui est peut-être un petit peu plus compliqué encore, dans le sens où il y a effectivement une rivalité historique qui s'est nouée entre les deux pays les plus peuplés de la péninsule arabique, à savoir l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et cette rivalité, elle s'est nouée historiquement autour du différentiel de ressources, mais aussi autour d'options qu'on pourrait dire religieuses dès le XVIIIe siècle, entre d'un côté ce qui s'est imposé en Arabie Saoudite, à savoir le wahhabisme autour d'un rigorisme très particulier, et puis dans le sud de la péninsule arabique, une approche qui a permis de concilier d'une certaine manière l'identité zaïdite, donc qui est une branche du chiisme particulier, et puis donc qui correspond à peu près à 30% de la population, et la majorité qui, elle, est sunnite chaféite. Mais il y a eu un processus assez particulier que moi j'avais appelé de convergence religieuse, qui a permis très largement de faciliter une forme de coexistence. Oui, parce que c'est ça qui est fascinant avec le Yémen, c'est que y compris le chiisme yéménite est au fond ce qui pourrait se rapproche au fond par cette tradition et même par le fait qu'il essaie de compter le nombre d'imams à 5, c'est-à-dire alors que les autres sont les duodécimains sont montés jusqu'à 12. Il y a une forme de comme une sorte de compromis parce que la terre est parce que le territoire est contraint, parce qu'on vit ensemble depuis très longtemps et parce qu'au fond on est constamment imbriqués les uns dans les autres, aussi bien dans les villes que dans les plaines, que dans les montagnes. Et il y a un processus très ancien de compromis entre les deux parties sunnites et chiites de la population.
Oui, et ce compromis-là correspond aussi à une richesse qui est importante. Le risque aujourd'hui, et c'est ce qui peut-être peut inquiéter en premier lieu les Yéménites, hein, c'est bien que justement cette culture du compromis, qui se retrouve et qui avait des implications aussi sur le plan politique, eh ben, disparaisse du fait de la guerre, avec un phénomène de polarisation de plus en plus concret entre d'un côté des groupes qui vont être qualifiés de chiites, donc la rébellion houthiste, et d'ailleurs dans les intitulés, dans les légendes qui étaient celles des images de l'AFP, il était mis la rébellion chiite houthi. Pour de nombreux yéménites, y compris un certain nombre de partisans de cette rébellion-là, cette appellation serait considérée comme problématique. Tout simplement parce que ce label de chiite n'est pas revendiqué par tous. Il l'est par un certain nombre, ce qui devient problématique. Et puis, leurs opposants, dont un certain nombre peuvent être influencés par ce qu'on appelle le salafisme, renvoient finalement cette rébellion-là à leur identité chiite et à son identité chiite et à ses liens réels ou supposés avec l'Iran. Exactement. Donc on est dans un schéma qui, d'une certaine manière, enclenche une dynamique qui est celle qu'on a pu constater en Irak particulièrement et en Syrie. Et une fois qu'une telle dynamique est enclenchée, on perçoit mal, et je pense que les Yéménites ont très largement peur de cette dynamique-là, comment on en sort ? Monsieur, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette coexistence entre des communautés qui finalement se ressemblent plus qu'on imagine ? En fait, c'est pour parler spécialement sur les houthistes, oui. Ce phénomène, c'est un phénomène quand même troublant. Ah, le micro. Pardon, oui. C'est un phénomène troublant parce que jusqu'à il y a 15 ans, on ne citait jamais le mot houthiste, on les connaissait quasiment. Enfin, pas, maintenant, c'est le clan le plus fort, disons, le plus. Important. Si, pour comprendre les houthistes, je peux dire un petit mot, il faut utiliser les méthodes du Ibn Khaldoun, si je peux dire. Donc, lui, c'était un sociologue, un historien en même temps. C'est le groupe qui a ce qu'on appelle Asabiya, l'esprit de clan, le plus fort de la région. Donc jusqu'à il y a 15 ans, ils étaient quasiment, on n'en parlait pas beaucoup. Saleh et Mohsen, au départ, ils ont fait 6 guerres contre eux, 6 guerres injustes. Donc le gourou actuel des houthistes, il a perdu son frère durant cette guerre. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est donc ce groupe s'est iranisé, enfin c'est devenu de plus en plus chiite, mais c'était plutôt par le cri houthiste qui ressemble au cri du Khomeini. Et par des rites qui n'existaient pas au Yémen. Du coup, il a développé un asabiya, un esprit de groupe encore plus fort, d'où toute l'alliance de la région qui va du Saada, où il y a les houthistes, jusqu'à Damar, au Sud-Sana, qui est devenue une alliance dirigée par eux. Mais ça, on le comprend parce que la quantité de asabiya dans cette région-là, elle est plus forte qu'ailleurs. Il y a un chef vénéré, qui est le houthi, soi-disant le fils du deux ventres. Il vient d'Ali de Mais ce sont des familles ce sont de très anciennes familles aristocratiques tout de même. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie de l'élite qui soutenait avant le régime Zaïd. L'imam, après, il a réveillé toute une notion du hachimite. Ils sont redevenus, soi-disant, les nobles, alors que ça n'existait pas, la République a terminé avec ça. D'accord. Je voulais voir avec vous tout ça. Alors, parce que vous êtes historienne, c'est pas totalement innocent qu'aujourd'hui les Houthis, enfin en tout cas les Zaïdistes, occupent cette partie-là du Yémen. Au fond, ça correspond aux anciennes frontières, quasiment à l'ancienne frontière du royaume de l'imamat zaïdiste qui pouvait préexister, y compris aux deux parties du Yémen, au Yémen éclaté jusqu'en 1990. Est-ce qu'au fond, cette rébellion houthiste, c'est une espèce de revival de très anciennes fractures au sein de la société yéménite. Ben en tout cas, ce revival, c'est comme ça que certains acteurs de la politique yéménite même ont voulu les présenter. À l'origine, je pense que les Houthis, qui est vrai, étaient engagés déjà contre Israël, contre l'Amérique. Voilà, ça faisait déjà partie de leurs slogans initiaux. Ne se revendiquait pas vraiment ni de l'imamat, surtout pas du zaïdisme peut-être et encore, parce que finalement, dans la pratique religieuse, le zaïdisme ne correspond pas à grand-chose, si ce n'est à des manières de prier, les bras ballants ou des choses comme ça. Donc en fait, on les a renvoyés à cet objectif-là, certainement justement pour mieux les combattre.
Mais bon, le fait est qu'effectivement, ils vivent dans une région dans le nord vraiment du Yémen, très montagneux, qui est un peu le centre de l'imama, cet imama qui est millénaire en fait. Oui. Quand même, peut-être la partie la plus sûre du Yémen. Pendant 1000 ans, cette partie-là du Yémen a été dirigée par un imama. Alors, en fait, ce n'est pas un imama. En fait, voilà, en fait, on se représente l'imama comme quelque chose de très fixe, dans des frontières ou des formes. En fait, il a eu des formes complètement différentes à travers les siècles. Le premier imam à s'être installé au Yémen au Xe siècle, finalement, n'a pas été forcément très bien accueilli. En fait, il se revendique du Zayd ben Ali, donc qui est un descendant du prophète par Ali et Fatma, et par Hassan et Hussein, les deux fils, et se revendique donc d'un pouvoir politique, hein, et spirituel aussi, mais politique. Et en fait, le premier à s'être installé donc au Yémen à la fin du Xe siècle, s'est imposé en jouant un rôle de médiateur entre les tribus. Mais par la suite, il a bien fallu, l'idée, il fallait quand même avoir du pouvoir sur ces tribus. Et en fait, ça n'a quasiment jamais été possible. L'imama repose, tout le pouvoir de l'imama repose sur l'adhésion des tribus. On est vraiment dans une zone de tribus sédentaires, hein, pas du tout nomades, mais avec une culture tribale très forte, qui porte les armes, donc les hommes des tribus portent les armes. Et bon, on a souvent dit qu'en tout cas au XXe siècle, dans les dernières formes de l'imama, vraiment les tribus étaient le bras vraiment armé de l'imama. Mais pendant des siècles et des siècles, ça a été extrêmement difficile pour les imams de s'imposer. Donc ils pouvaient réussir à s'imposer sur quelques zones, des régions, mais finalement il y avait toujours des tribus pour le contrer. Ce qui fait que, bon voilà, cet imama, voilà, on s'en fait une idée, mais en fait c'est quelque chose de très multiforme, qui a eu quand même, il faut le dire, vraiment une époque de gloire entre le XVIe et le XVIIIe siècle, sous une dynastie dite Qassimite, qui avait expulsé les Ottomans qui s'étaient emparés de la région pendant un siècle. et qui ont en fait été les premiers zaïdites à dépasser le fait qu'ils avaient de l'autorité sur des populations zaïdites du nord, pour ouvrir et construire un État qui dépassait ces frontières-là et qui s'est étendu même jusqu'à la Dramaout. Hein, je ne sais pas si on voit à Dramaout, vous voyez la route qui part la Golfe d'Aden sur la mer. Là, enfin, bon, voilà, c'est quand même assez loin, et qui ont couvert vraiment jusqu'à Aden. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, hein, cette autorité-là, mais en tout cas, ça a correspondu à un moment où justement les Zaïdites sont sortis de leur rôle spirituel, hein, vraiment pour avoir affirmé un rôle politique qui dépasse les clivages confessionnels. Alors moi, je crois que c'est important quand même, malgré tout, d'avoir passé un tout petit peu de temps sur l'histoire pour montrer qu'en fait, cette région, d'abord, d'une part, a toujours... que les Zaïdites ne sont pas illégitimes dans la région. Ils ont pu gouverner, y compris le Yémen, que par ailleurs, ils ont visiblement eu systématiquement, vous me reprenez si je me trompe, des problèmes pour contrôler ces régions. C'est avec une forte opposition entre centre, on va dire l'État, et puis des forces centripètes, hein, qui ne voulaient pas s'en remettre à l'État, ni à l'État central. Je crois que c'était une constante dans l'histoire du Yémen pendant très longtemps, et on va voir ça avec vous. Et aussi pour mon temps, il y a une légitimité zaïdite qui sont installés là depuis longtemps. Ils ne viennent pas de nulle part. Et par ailleurs, je voulais voir avec vous justement, parce qu'on va peut-être revenir sur la situation actuelle. On s'est beaucoup éloigné, on est allé très loin, mais c'est important, je crois, pour revenir un petit peu sur la guerre actuelle. D'abord, une première question, est-ce que vous avez cette réponse à cette question qu'on m'a souvent posée? Pourquoi cette guerre est-elle oubliée? Pourquoi n'en parle-t-on pas? Après, j'ai une théorie. On a tous une théorie. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qu'on pourrait qualifier de honteuse, qui vient peut-être de nos propres gouvernements et du fait que finalement, parce que nos gouvernements se sentent un petit peu honteux par rapport à elles, ils se sentent peut-être responsables du fait d'un certain nombre de contrats
d'armement qui les lie avec les belligérants et particulièrement avec les belligérants de la coalition, il y a peut-être une volonté de ne pas trop en faire. Et donc, de ce fait-là, on ne va pas attendre des ministres qu'ils se saisissent réellement de cette question-là. Ce que vous voulez dire, c'est que notre allié, c'est l'Arabie Saoudite dans la région et que donc on ne va pas contrarier l'Arabie Saoudite. Mais c'est, pas seulement ça. Il y a réellement un lien réel qui fait que notre politique étrangère, peut-être plus celle des États-Unis et de la Grande-Bretagne que de la France, mais il y a bien effectivement cette dimension-là. Une alliance qui fait que, oui, mais enfin, c'est une alliance qui avant tout est commerciale, pas nécessairement sur les objectifs politiques. C'est-à-dire que depuis quelques années, on constate malgré tout que les gouvernements occidentaux font passer les contrats d'armement avant des considérations géopolitiques. Alors, sans doute à grands coups. Donc ça, c'est la première raison que moi je qualifie de honteuse. Et puis la deuxième, elle est peut-être liée à la complexité. C'est quelque chose que vous voyez, vous percevez bien dans nos propres discussions. Il y a une complexité historique et puis il y a une complexité plus immédiate liée au conflit. C'est-à-dire que quand on essaie froidement de comprendre le conflit yéménite depuis 2 ans, on a honnêtement du mal à considérer où se situe réellement la légitimité. Alors il y a des légitimités qui peuvent être des légitimités juridiques constitutionnelles, qui sont celles notamment du président reconnu par la communauté internationale, le président Hadi, qui est soutenu par la communauté internationale et la coalition. Et puis après, on a des légitimités politiques simplement ne permettent pas nécessairement de comprendre qui, d'une certaine manière, avait raison. Quels sont les bons, quels sont les méchants? Alors, on peut se placer de différentes façons. En tant que, on va dire, citoyen, je peux, moi, considérer que les bombardements de la coalition sont hautement problématiques, qu'ils génèrent un certain nombre de crimes, et donc les dénoncer en tant que citoyen. Et puis après, en tant qu'analyste, je ne peux pas considérer que cette intervention saoudienne soit totalement illégitime, dans le sens où elle est soutenue aussi par un grand nombre de yéménites. Un grand nombre de yéménites exècrent la rébellion houthie. Et donc on a bien des espèces de légitimité là qui rendent très très difficile la possibilité d'expliquer ce qu'est le conflit. On a difficilement une identification, et une identification seulement aux populations du Nord qui sont la cible essentielle des bombardements, moi, me semble insuffisante. Elle est juste politiquement, elle est juste sur le plan de l'engagement, mais elle constitue une impasse analytique, à mon avis. Monsieur Sarori, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, justement, sur la responsabilité, sur mettre tout le monde au même niveau, je ne suis pas tout à fait d'accord. Même si tous les belligérants sont mauvais, corrompus, profiteurs... La guerre pas beau, oui. La guerre toujours pas beau. Par contre, il y a quand même la chronologie. La racine du mal de cette guerre-là, elle a une cause. Ça, c'est important. Oui, c'est très important. En septembre 1994, les Houthis ont envahi Sanaa. 2014, ce que je vous ai dit. Oui. 1994, il y avait une autre guerre qui a envahi Aden. Donc, d'ailleurs, coup, les 14 et les 4 n'arrangent pas trop le Yémen. Donc, en 2004... Là, j'ai confondu combien de temps. 2014. En 2014. Il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est ça. Oui. En 2014, donc, les Houthis ont envahi Sanaa. 6 mois après, ils ont envahi Aden. C'est la deuxième invasion après celle du 94. Du coup, c'est la cause. C'est la racine du mal. La racine du mal, c'est l'alliance Houthi-Saleh. Oui, ce qui est d'ailleurs déjà une alliance assez incroyable. C'est incroyable parce que Saleh leur a tapé dessus pendant des années. Oui. Mais pour des raisons très différentes. Oui. Les Saleh, c'est un vindicatif, un rusé, un mafieux qui avait donc tout son c'est fils. L'ancien président, hein, c'est l'ancien président de 78 son fils, à. Son deuxième fils au pouvoir, ses neveux trois qui gardaient tout. Donc, bon, c'est un mafieux exceptionnel, un rusé. Oui, parce qu'on pensait l'avoir éliminé celui-là voilà. Après la révolution de 2011, et puis maintenant il revient par la bande. Parce que toutes les formules de la paix qu'on a données, c'était de rafistolage. On va revenir peut-être après quand on parle de la paix. Mais la racine du mal est là. Cette alliance a envahi le Yémen. Il est parti à Aden, détruit Aden. Et puis, tout le Yémen aussi, Taiz, qui est toujours une ville martyr jusqu'à aujourd'hui. Ça, on ne peut pas l'oublier. Qui, en plus, n'est pas une ville Zaïdite, qui est une ville... Voilà. Ceci étant, maintenant, les loyalistes, c'est une mosaïque
très mauvaise. C'est des anciens de Salé qui sont devenus ses rivaux juste après le printemps, qui était un grand moment du Yémen, un mois superbe où tout le monde a scandé, on voulait un état civil, un état de droit. Les gens ont laissé leurs armes, leurs jambia, ils ont rêvé. Pendant un mois, c'était une utopie incroyable. Ça a duré plus qu'un mois, hein. Ça a duré plus qu'un mois. Ans, non, bien sûr. Mais je parle le moment magnifique. Et après, il y avait les salafistes qui sont rentrés là-dedans, l'armée, à partir du 2 mars. Du coup, c'était devenu un mot comme la Syrie, plus en plus. Mais il y avait une volonté populaire énorme de construire quelque chose de nouveau, qui gênait énormément le voisin saoudien. Et qui, en plus, ne reposait pas sur rien, parce qu'il y a aussi une tradition séculaire ancienne, notamment qui passe par le zaïdisme, hein, d'une vision plus modérée, plus conciliante de l'islam ou de la place de la religion dans la société. Et puis, historiquement aussi, il y a tout simplement eu cette république du sud du pays qui a été longtemps socialiste, je crois. Hein. Moi, ce que là où je voudrais insister, c'est qu'à la suite de la révolution de 2011, il y a eu ces longs mois quand même de dialogue national, neuf mois où c'est quand même unique dans tout le monde arabe quand même, où il y a eu autant de segments de la population yéménite se sont rassemblés pour discuter, qui rassemblait autant de la société des gens venus de la société civile que des représentants des tribus. L'autre exemple, c'est la Tunisie quand même. Ouais. La Tunisie, il y a eu à peu près le même genre de... Mais alors justement, effectivement, on a la particularité du Yémen quand même. Il faut le souligner, c'est que c'est un pays où la société civile aussi, voilà, on ne le sait pas beaucoup, mais elle est très importante. Hein, elle s'est développée tout au long du XXe siècle. Alors c'est vrai que ça a d'abord commencé dans le sud, à Aden, mais à l'époque coloniale britannique. Hein, les Anglais étaient là de 1839 à 1967. Et ils ont permis, ce sont eux qui ont permis qu'il y ait les premiers syndicats. Donc il y a déjà une culture de l'activisme militant qui existe déjà depuis les années 30, 40 pour les syndicats. L'influence de l'Égypte aussi, qui n'est pas l'influence de l'Égypte, avait par le biais du Nasserisme. Absolument. Ensuite, après, dans le nord, donc dans la partie qui avait été occupée par les Ottomans jusqu'en 1918. Et après, donc, c'est un imam, donc l'imam Yahya et son fils Ahmad, qui ont ensuite régné jusqu'en 62. Dans cette région-là, il y a eu aussi un activisme politique très fort dès les années 30. Et ça remonte à loin. Et puis, dans les années 70, au moment où l'État se construit, vraiment après la guerre au Yémen du Nord, après l'établissement de la République et la guerre civile qui a suivi de 62 à, disons, 70, il y a eu un État qui s'est construit difficilement, de manière très décentralisée, mais où justement les populations yéménites se sont beaucoup impliquées et arrangées entre elles. Il y a eu beaucoup de solidarité et il y a eu toute une période qu'on appelle le mouvement coopératif, où les gens s'arrangeaient entre eux pour construire une école, une route, établir des systèmes d'irrigation, etc. Donc il y a vraiment une tradition extrêmement forte d'activisme social, politique au Yémen, qu'on retrouve, moi, il me semble, vraiment bien, non seulement dans la révolution, mais dans le dialogue national. Alors je voulais voir avec vous, parce que j'ai retrouvé un document pas très patiencien que ça, mais où vous commentiez justement cette révolution cette révolution de 2011, le départ de Salé, le fait qu'il... et vous disiez, donc ces premiers mois de dialogue national, ça a été long, ça a duré 9 mois, avec beaucoup d'espoir. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai l'impression que vous y croyez. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça finisse en échec épouvantable et donc en guerre civile? Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Effectivement, l'espoir dont vous parlez était, à mon avis, sincère. C'est-à-dire qu'on a eu une dynamique dont a parlé Habib tout à l'heure, qui, d'une certaine manière, marquait une rupture réelle. Il y avait une aspiration populaire très forte pour produire du changement. Et ce qui s'est passé, à mon sens, c'est d'une part qu'il y a eu ce que moi j'avais appelé une forme de disjonction, en fait, entre d'un côté un niveau institutionnel qui a avancé, c'est-à-dire que dans le contexte du dialogue national, donc pendant 9 mois, vous avez 565 représentants de l'ensemble des composantes de la société, hormis les djihadistes,
Et là, c'est peut-être une différence avec la Tunisie, dans le sens où la Tunisie, c'était des gens qui étaient élus. Là, à partir du moment où vous mettez en place des systèmes de quotas et où il y a un véritable effort de nommer l'ensemble des composantes, vous avez absolument tout le monde. Et considérant la taille du pays, considérant ses fragmentations, c'était quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. C'est-à-dire de voir une ancienne femme socialiste qui ne porte pas le foulard discuter avec un salafi pendant 9 mois sur une thématique bien particulière et arriver à établir une forme de consensus, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Simplement, quand je parle de disjonction, c'est que ce niveau-là arriver à avancer, mais l'autre niveau, qui était le niveau peut-être infrapolitique, le niveau économique, n'avançait plus. C'est-à-dire que la population et les élites ont senti que finalement, il était légitime d'être nostalgique de l'ancien temps. Quand vous n'avez plus d'électricité, quand vous sentez que les perspectives économiques ne fonctionnent pas, eh bien vous vous dites finalement à quoi bon ? Alors, ce que vous et dites, puis, c'est que ça papotait beaucoup, mais qu'au fond, il y avait des coupures d'électricité et on manquait de farine dans les... Effectivement, mais c'est important de papoter, c'est ce que je veux dire. Mais simplement, effectivement, il y avait ces difficultés-là et peut-être une implication insuffisante de la communauté internationale. Il y avait des conférences d'aide, on annonçait plusieurs centaines de millions d'euros. Si on pense aujourd'hui à l'argent qui est dépensé par l'Arabie Saoudite et les pays alentours et qui est dépensé par la communauté internationale pour aider sur le plan humanitaire, ben on se rend compte que peut-être cet argent-là aurait été mieux investi à l'époque. Alors, attendez, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à la communauté internationale, mais enfin dans la région, le riche de l'affaire, c'est plutôt l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite avait vraiment intérêt à ce que ce dialogue national fonctionne, qu'une démocratie sorte de là et qu'un État un peu exemplaire vienne remplacer un État qu'il contrôlait ou un État profond qu'il contrôlait assez aisément auparavant? Alors on peut prêter beaucoup d'intention à l'Arabie Saoudite. Il se trouve que personne dans la salle n'est dans la tête des dirigeants saoudiens. Donc il est difficile évidemment d'aller expliquer quelles sont les intentions de l'Arabie Saoudite. Je pense qu'effectivement il y a d'une certaine manière, c'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, une peur historique ancrée. Mais après il y a aussi un certain nombre de dirigeants qui se rendent bien compte qu'un Yémen instable a un coût aussi pour l'Arabie Saoudite. Que peut-être que si on a une vision de long terme, on se rend compte qu'un partenariat économique des échanges serait bien davantage profitable. Donc moi, je ne sais pas quelles sont les options qui sont prises. Il est entendu aujourd'hui que l'Arabie Saoudite a mené depuis 2011 une politique, on peut dire, peut-être ambivalente ou ambiguë à l'égard de ce qui s'est passé au Yémen. Elle a par ailleurs aidé. Hein. Il y a eu des moments où, par exemple, elle a accueilli, ne serait-ce que le président a reconnu internationalement sur son territoire. Elle a aussi soigné le président Saleh pendant quelques mois et quelques années. Elle a voulu quand même jouer un rôle de stabilisateur qui est indéniable. Alors il y a ce rôle-là, de cette volonté, cette volonté de contrôler peut-être le processus, tout simplement parce que la sortie de crise, donc on a un processus très long révolutionnaire qui a eu une spécificité yéménite, donc de février 2011 à février 2012, vous avez une grande mobilisation qui aboutit par l'élection du président Hadi en échange de l'immunité de l'ancien président Saleh, qui va rester comme peut-être celui qui va pouvoir gâcher l'ensemble du processus en s'alliant avec les houthistes. Et donc cette immunité qui a été accordée a été peut-être le déclencheur de la détérioration du processus. Et cette immunité a été accordée dans ce qu'on a appelé l'initiative du Golfe, proposée par les Saoudiens comme une sortie de crise. Vous vouliez ajouter quelque chose, Habib ? Oui, en fait, à ce propos-là, oui. Bon, moi, donc, la stratégie de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du Yémen, politiquement, c'est à ce que le Yémen vive tout le temps dans ce qu'on peut appeler un chaos contrôlable. Donc, pas un chaos profond, parce que ça va éclabousser chez eux, et pas une démocratie, parce qu'elle n'a pas aimé le printemps, elle n'a pas aimé... Du coup, la stratégie, souvent, c'est de garder les mêmes momies et de les garder ensemble. Et c'est très bien, une très bonne formule. Par exemple, le blanc du CCG, c'était ça, de Saleh, il est plus président. Par contre, il est président du parti le plus fort. Donc, il est là. Il est plus présent, mais il est quand même présent. C'est divisé pour mieux régner, mais si possible, voilà, faire en sorte que tout se batte entre eux. Le congrès, comme ça. Ma critique pour ce congrès du dialogue national, c'est que quand même, était dominé quand même par les forces traditionnelles, par les momies politiques.
Il y avait quelques façades du monde civil, mais ils n'avaient pas influence, ils avaient pas beaucoup d'influence. Ça, c'est ce que je veux dire sur ce qui a été dit tout de suite. Mais comme vous avez cité tout à l'heure la partie l'époque marxiste-léniniste oui. d'Aden, oui, assez étonnant, ça vaut le coup d'en dire un mot. Parce que c'est le seul pays marxiste du monde arabe pendant 40 ans. Donc, dans mon roman là, qui vient de sortir chez Actes Sud, La fille de Sousloff, le premier tiers du roman se passe à cette époque-là. Est-ce qu'il reste quelque chose à cette époque-là? Est-ce que dans les esprits, dans la façon dont... En fait... Curieusement, marxiste, léniniste, oui. Comme dans le texte. Oui. Bah, curieusement, quand on voit tous les gens là qui portent le drapeau du Sud avec l'étoile rouge aujourd'hui, c'est parce que cette époque-là, malgré tous ses défauts, malgré ses guerres, reste l'âge d'or du Yémen. Je suis désolé, je l'ai vécu profondément. Au niveau égalité sociale, au niveau émancipation de la femme, à tout point de vue, c'était quand même... Donc les hommes simples pouvaient faire leurs études facilement et puis pouvaient devenir des membres du bureau politique. Là, on parle des Hachimites, ce que les gens appellent les fils des testicules dorés, parce qu'ils sont issus du... Alors qu'à l'époque, c'était l'opposé, ce qu'on appelle Ardam, les esclaves, qu'on avait rappelé après avec la Révolution les travailleurs de la propreté, ils pouvaient avoir... Un avenir social, oui. Donc voilà, bref, donc c'était une époque, mais une époque aussi dont on ne parle pas beaucoup. Il n'y a pas d'anthropologues, il n'y a pas de sociologues qui sont partis sur place pour étudier, pour ramasser le reste. Ça va être oublié complètement de la mémoire collective, alors qu'il y avait une école du marxisme-léninisme à Aden, dont beaucoup d'intellectuels et des arabes actuels qui ont soit enseigné là-bas, soit étudié sur place. Il y avait plein de choses qu'on ignore. Aden, c'était le phare à l'époque. Est-ce qu'il reste quelque chose de cette période un peu étonnante quand même pour un pays a priori si traditionnel ou si pas grand chose en réalité peut-être seulement dans les mémoires si ce n'est aussi quand même il faut peut-être le dire effectivement que pour les femmes c'est effectivement un moment un peu enfin c'est un donc 1967-1990 hein, c'est cette période là marxiste plus ou moins marxiste hein. Ensuite elle a été gagnée évidemment par le wahhabisme. Mais c'est quand même un moment de référence pour certaines femmes qui se revendiquent du féminisme, et il y en a beaucoup, y compris parmi les islamistes. Moi, j'ai rencontré une étudiante yéménite qui a soutenu il n'y a pas très, très longtemps ici en France une thèse. Elle me racontait que quand elle a 30 ans, quand elle était petite, elle a appris à tirer à la Kalachnikov. Et elle me disait, mais c'était normal, les filles comme les garçons apprenaient à tirer. Voilà. Donc en même temps, il y a une espèce d'ambivalence par rapport à cette période, parce qu'effectivement, c'est une période de conflit extrêmement sanglant, hein, parce que même à l'intérieur de l'entité adénie, enfin voilà, c'était miné par les clivages et les conflits et les guerres hein, en 86, à l'intérieur même de cette entité du Sud, il y a eu une guerre qui a fait 10 000 morts, 15 000 morts. Bon, donc voilà, donc il y a une ambivalence quand même par rapport à cette période-là qui est... Elle est d'autant plus intéressante, cette période, c'est que vous le disiez vous-même, en ce moment, quasi par rébellion, on sort les vieux drapeaux de la République du Sud, mais moins pour des raisons de nostalgie du régime marxiste-léniniste que pour des raisons qui ont trait à une volonté de sécession sudiste, non ? Oui, alors parmi les raisons qui aussi expliquent peut-être la difficulté d'appréhender ce conflit-là, il y a et un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'à présent, c'est le terme d'Al-Qaïda. Effectivement, depuis les années 2000, on a eu, je pense, une espèce d'obsession collective, un certain nombre de dirigeants yéménites aussi, pour ce qu'on a appelé la lutte contre le terrorisme. Et cette lutte contre le terrorisme, d'une certaine manière, nous a collectivement conduit à négliger deux dynamiques très importantes pour le Yémen, qui sont d'une part la rébellion houthiste. Donc Habib tout à l'heure a parlé des six rounds de la guerre de 2004, encore un 4 funeste, à 2010, il y a une guerre qui est extrêmement violente, menée par le gouvernement central contre la rébellion houthiste. Et puis, on a, à partir de 2007, la résurgence d'un mouvement sécessionniste sudiste qui réclame le retour à la situation pré-indépendance, le retour au Yémen du Sud.
Et cette situation-là, sécessionniste, elle permet très largement de comprendre aujourd'hui la fragmentation du pays. Et un des risques réels, c'est bien de voir non seulement l'ancrage d'une polarisation confessionnelle entre les zaïdites et les sunnites, mais aussi une polarisation, on va dire, historique et construite sur le plan identitaire entre le nord et le sud. Il se trouve qu'il existe, malgré tout, un certain nombre de ressorts pour empêcher cette fragmentation. Cette fragmentation, peut-être qu'à moyen terme, elle apparaît comme quelque chose qui permettrait de sortir du conflit qu'on constate actuellement. Mais à long terme, il est extrêmement difficile d'envisager un avenir économique, un avenir social à un pays qui serait fragmenté. Parce qu'il semble entendu que sans ressources, dans une situation de pauvreté, on se retrouverait dans une situation ou un scénario, ce qu'on appelle à la somalienne ou à la sud-soudanaise, avec une fragmentation excessive. Et c'est parmi les ressources dont on parle, c'est le fait que, tout simplement, que le nord et le sud ne recouvrent pas parfaitement la frontière, enfin la frontière ne recouvre pas, ne se superpose pas réellement à la frontière aussi confessionnelle entre les zaïdites et les sunnites. Et donc on a des espèces d'identités qu'on peut appeler des identités tierces, mm-hmm, qui permettent d'espérer finalement que ça constitue un ferment d'unité. Il y a par ailleurs des parties entières du pays qui sont contrôlées par une insurrection liée à Al-Qaïda, malgré tout le centre du pays. Alors oui, il y a bien évidemment ces risques-là qui ancrent encore plus, on va dire, la dynamique de confessionnalisation du conflit. Mais il se trouve que, alors, pris avec le vocabulaire et l'habitude qu'on a, on peut considérer que c'est absolument dramatique. Le contrôle exercé de territoire par les groupes djihadistes se revendiquant d'Al-Qaïda, paradoxalement, produit aussi peut-être une forme de pacification à travers l'adaptation de ces groupes djihadistes à des contraintes locales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils doivent travailler avec les tribus, d'une certaine manière et sur le long terme, ça laisse envisager une forme de, on va dire, d'entrée dans un processus politique. Et il se trouve que malgré tout, Al-Qaïda, parce qu'il y a cet ancrage territorial, a établi un certain nombre de lignes rouges dans son action, qui n'existe pas, par exemple, dans l'État islamique. Et donc, d'une certaine manière, c'est un processus... Par exemple, ne pas s'en prendre, si j'ai bien compris, Al-Qaïda mène une guérilla, hein, il s'en prend aux militaires et aux alliés militaires, mais pas forcément aux populations civiles, ni même aux mosquées, ni même aux zaïdistes, ce qui n'est pas le cas de l'État islamique, visiblement. C'est ça, c'est une des vraies différences, et on a pu le voir. Alors, c'est évidemment un processus qui est condamnable, il y a de la violence... Et c'est absolument pas quelque chose qu'on va soutenir et que moi je vais soutenir dans mon propos, mais simplement d'essayer de voir un petit peu plus loin dans les processus qui sont établis. Et quand Al-Qaïda a contrôlé notamment la région de la ville de Al-Muqallah, donc quand vous voyez le terme Yémen, vous descendez tout droit, vous trouvez à peu près au bout des routes là la ville de Muqallah, qui est la cinquième ville du pays, qui a été contrôlée pendant une année entière par des groupes djihadistes. Et il se trouve qu'il y a malgré tout eu des accommodements avec l'organisation locale, l'organisation tribale. Et ces dynamiques-là, moi, me semblent autrement plus encourageantes qu'un certain nombre de dynamiques qu'on trouve qui consistent à simplement canarder, comme on le perçoit par exemple à Mossoul, qui génère simplement et qui ancre une polarisation qui, à long terme, moi, m'effraie énormément, et je pense effraie énormément d'Irakiens aussi. Oui. Vous vouliez rajouter ? Oui, sur la séparation, sur toutes ces questions-là. En fait, il y a une volonté farouche au sud de séparer du nord, dans le Yémen. Ça vient en fait à cause de deux guerres historiques. La première, c'était en 1994, quatre ans après l'unité, toujours quatre. Et en fait, les premières deux années, c'était des années du mariage heureux, etc. Et puis, les salafistes de Zandani, c'est un gourou aussi, sunnite, mais il est aussi dangereux que les gourous... Enfin, aussi obscurantistes que les gourous houthistes, même s'ils sont deux clans. Il était directeur d'une université qui s'appelle l'Iman, dans laquelle il y a un des frères Kaouchi qui a étudié là-bas. Donc c'était une université qui fournit, qui était très obscurantiste. C'est lui qui a inventé pour le sida des brevets avec la médecine mahamadienne. Enfin, bref, donc il a mené une guerre
la première guerre, donc c'était contre le Sud, parce que le Sud était très socialiste, etc. C'est là où on a vu la différence totale. Donc moi, je me rappelle, j'étais avant la guerre et après. En 92, c'était une joie énorme chez les gens. Je reviens en 94, mes sœurs qui étaient au mini-jupe, comme tout le monde, une d'elles, très belle et tout, je pars avec elle pour un rendez-vous classique. Elle était au Niqab, juste après 94. Parce que les salafistes du Zindani qui ont complètement changé les habitudes d'Aden, l'usine de la bière, ils l'ont... Bon, enfin, plein de choses ont bon côté. La deuxième guerre qui a créé tout le malheur, c'est en 2015, les houthistes. Bien sûr. Donc du coup, il y a cette volonté chez les gens. Je suis d'accord avec Laurent. Actuellement, deux États, c'est incroyable. Donc, avec les houthistes, c'est leur imama au nord, et puis les salafistes et le Qaïda qui sont envahis le sud, au sud, c'est intenable. Et puis même cette séparation, on ne peut pas comme ça... Comme l'unification a été faite en 3 heures, 2 signatures entre les 2 chefs d'État, dans un canal à Aden, on ne peut pas non plus faire une séparation de cette manière-là. Oui, allez-y. Je voulais juste revenir sur un point qu'on n'a pas assez développé, me semble-t-il, tout à l'heure à propos de l'Arabie Saoudite, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé, en fait, à partir de janvier 2015. C'est-à-dire que si on pouvait dire qu'avant, l'Arabie Saoudite avait une politique relativement équilibrée, essayait éventuellement de se concilier les uns et les autres, de comme vous disiez, au fond, une politique traditionnelle vis-à-vis du Yémen, c'est-à-dire contrôler le chaos, à partir de janvier 2015 et l'arrivée du roi Salman et de son fils, notamment Mohamed Ben Salman, on a changé d'affaire, on a changé de dimension. Il semble qu'il ait, lui, décidé de faire de la guerre du Yémen une sorte de guerre de principe pour asseoir son propre pouvoir. Et que donc, on est passé à autre chose qui, me semble-t-il, est plus dangereux. Oui, il y a bien eu une volonté, je pense, d'une part du leadership saoudien de se légitimer en menant une guerre au Yémen et en la réussissant. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a bien un enlisement, que cet enlisement devient de plus en plus visible. Il devient de plus en plus coûteux aussi en termes d'image. Il est entendu que les Saoudiens sont extrêmement attentifs aussi à l'image qu'ils peuvent avoir, et ils constatent qu'à l'échelle internationale, leur image devient de plus en plus déplorable, que quand il y a un article qui fait la une sur, c'est assez rare malheureusement, mais qui fait la une sur le choléra au Yémen, eh bien, c'est quelque chose qu'eux-mêmes prennent d'une certaine manière en compte. Alors ça ne veut pas dire que le fait qu'ils s'inquiètent de voir leur image détériorée les amène à réellement adapter leur politique, mais c'est malgré tout un levier qui existe. Et c'est pourquoi, y compris depuis un certain nombre de mois maintenant, on annonce une offensive sur la ville de Hodeïda, qui est, elle, la 4e ville du pays, qui est tenue... Juste, c'est important, ouais. Hodeïda, parce que c'est un port qui est tenu par les Houthis, je crois, oui. Et qui leur permet de s'alimenter. Enfin, en tout cas, qui leur permet directement d'être alimenté en armes et même, ou tout simplement en nourriture, et que de le reprendre signifierait les couper clairement de la... On le voit bien, d'ailleurs, sur la situation. Alors, c'est effectivement un des objectifs. Et puis, c'est la 4e ville du pays. Et puis, ça serait un succès militaire. Mais simplement, donc depuis plusieurs mois, on annonce l'offensive imminente pour libérer Hodeïda. L'offensive ne vient pas. Sans doute parce que, aussi, et en dépit des bavures qu'il y a pu y avoir à répétition, en dépit d'un certain nombre de bavures qui peuvent être qualifiées sur le plan juridique de crimes de guerre, eh bien, les Saoudiens ou la coalition est d'une certaine manière rétive à intervenir, tout simplement parce qu'elle sait qu'une intervention en milieu urbain générerait énormément de dégâts humains, nombreuses victimes qui viendraient encore plus gêner leur image. Et c'est pourquoi je pense que finalement et paradoxalement, la détérioration de la situation humanitaire, l'engagement peut-être des sociétés en faveur d'une, de, enfin, qui deviendraient peut-être plus concernées par la situation humanitaire au Yémen, bah, constitue un moyen de justement pousser en faveur de nouvelles alternatives et d'un système peut-être de qui favoriserait les discussions de paix. Alors maintenant, je vais faire un petit pas de côté.
Vous en parlez des bombardements saoudiens, je voudrais, notamment éventuellement sur Sanaa, qui est un peu le stronghold, l'endroit où sont la capitale prise par les houthistes. Hein. Est-ce que vous pourriez nous parler de Sanaa? Parce que je pense que d'un point de vue historique, parce que c'est quand même une des merveilles de l'humanité, quand même, Sanaa, son centre historique, ça, c'est une ville très ancienne. Est-ce que vous pourriez nous en parler 2 minutes? Rapidement, jusqu'on voit un peu ce que ces bombardements saoudiens ont fait perdre à l'humanité. Je ne sais pas exactement de quand date la naissance de Sanaa, mais effectivement, c'est très ancien. Ça a été sans cesse reconstruit, parce que c'est un bâti qui d'abord, enfin, le bâti de ces maisons tours, hein, si vous voyez ce que c'est, qui sont extrêmement décorées avec des vitraux et des différents étages. Sont soutenus par des pierres, voilà, oui, c'est un bâti hein, d'abord en pierre, et ensuite plus on monte, plus en fait les murs sont construits en briques. Donc en fait régulièrement ces bâtiments ont été détruits, reconstruits, etc. Mais effectivement, en tout cas, je pense que telle qu'elle est encore, peut-être encore aujourd'hui, mais bon, je pense qu'elle a été en partie détruite ou alors abîmée, ne serait-ce pas par des promoteurs qui ont profité de la situation pour construire des choses plus modernes. Il ne faut pas négliger. Voilà. Il y a aussi des facteurs internes. En tout cas, voilà, c'est comme vous dites, une merveille de l'humanité qui a associé donc différentes influences et notamment ottomanes. Hein, dans la reprise de ces vitraux qui sont en demi-lune autour des portes, etc., qui apportent une lumière d'une grande douceur à l'intérieur des pièces et notamment de ce qu'on appelle enfin, des diwans, des salons, qui sont vraiment au centre en plus d'une culture et d'un mode de vie. Il n'y a pas de café à Sanaa, par exemple, ça n'existe pas ou très peu. Les gens se retrouvent dans ces salons pour mâcher du kat. Maintenant, c'est extrêmement répandu. Mais ça, avant, c'était peut-être un peu plus pour une certaine élite, mais encore que. Donc voilà, ce sont des bâtiments qui ont été soignés pour cultiver cet entre-soi et cette culture de la discussion. Parce que quand on mâche le kat, c'est tout l'après-midi, de 1h à 5h. À partir de 2h, on ne peut plus rien faire. Voilà. À partir de 2h, tout est arrêté. On a vu le rôle de l'Arabie Saoudite, le fait qu'en ce moment, effectivement, qu'il y a une nouvelle période, hein, à partir de l'arrivée du roi Salman et surtout de son fils, son jeune fils, puisqu'il a à peine 30 ans, qui donc à la fois a voulu affirmer son autorité, faire de cette guerre un principe. On voit qu'il y a un enlisement aussi, peut-être parce qu'il y a un enlisement de la coalition saoudite, aussi parce qu'elle n'a pas de soldats, tout simplement. Elle est obligée d'avoir recours à des mercenaires. Elle en fait venir du Soudan, je crois bien, et d'autres parties du monde arabe. Les Égyptiens ont refusé d'y aller, ils ont peut-être eu raison. Mais il y a aussi, grosso modo, l'Arabie saoudite se caractérise, son intervention se caractérise par une couverture aérienne, une maîtrise du ciel, et elle bombarde. Je voudrais qu'on parle des États-Unis aussi, parce que je sais que vous avez longtemps... Il y a eu une focalisation des États-Unis sur la lutte contre le terrorisme, et notamment le fait qu'Al-Qaïda ait été implanté là-bas. Est-ce que les États-Unis ont encore un rôle important dans ce maelstrom yéménite? Alors, sans doute moins important qu'il y a un certain nombre d'années. Je pense que toute la période depuis 2012, c'est donc l'arrivée du nouveau président Hadi, c'est caractérisé par une forme de désengagement des États-Unis avec plusieurs mécanismes, mais liés notamment à finalement la sous-traitance de sa politique à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que devant la complexité de la situation, devant aussi un certain nombre de considérations sécuritaires qui ont fait que les diplomates qui étaient sur place avaient de moins en moins de capacité à bouger dans la ville. Et jusqu'à un certain point où ils ont fermé l'ambassade, eh bien, tout simplement, tout le monde a retiré ses billes. Et je parlais de la complexité, elle est liée aussi au fait, tout simplement, qu'à partir du moment où vous avez un changement institutionnel, la révolution, et ce changement institutionnel est incomplet, c'est-à-dire que les anciennes élites restent en place, ou une partie d'entre elles, eh bien, le jeu, d'une certaine manière, s'est considérablement obscurci. C'est-à-dire que si vous étiez en charge à l'ambassade des États-Unis de la lutte antiterroriste, d'une certaine manière, votre interlocuteur, celui avec qui vous aviez travaillé pendant un certain nombre d'années avant la guerre, eh bien aujourd'hui,
vous ne savez plus ce qu'il représente réellement. Est-ce qu'il a encore accès aux informations ou tout simplement est-ce qu'il vous enfume ? Et donc, de ce fait-là, il y a eu une forme d'obscurcissement de la situation. Tout simplement, les diplomates étrangers, occidentaux, ne comprenaient plus ce qui se passait réellement au Yémen. Et ils ont dit, finalement, l'acteur qui est le seul à même de comprendre, c'est l'Arabie Saoudite. Et donc, on va accepter de la laisser diriger ce qui se passe, l'avenir du Yémen. Maintenant, on a eu peut-être une forme de basculement récemment avec l'arrivée de Trump. Trump a joué d'une certaine manière sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est celui de la lutte contre le terrorisme. Il y avait eu, et là, il y a peut-être une forme de continuité, mais avec un accroissement. C'est-à-dire que Obama a très largement utilisé les drones pour éliminer des militants. Souvent, pendant longtemps, Yémen, ça a énormément été... au Yémen. Hein. Les drones ont été très utilisés au Yémen. Oui. Souvent, ça n'a pas fonctionné. Souvent, il y a eu également des bavures, de nombreux civils qui étaient tués, ce qui a, d'une certaine manière, affaibli aussi l'État central auprès de la population. Trump a décidé d'accentuer cette politique-là en menant aussi des attaques au sol, ce qui, là, a été une nouveauté. Donc ça, c'est l'axe, d'une certaine manière, continuité, mais accroissement. Mais par contre, il y a un réel changement aujourd'hui qu'on a pu constater lors de la visite la semaine dernière de Donald Trump, qui est finalement un suivisme assumé de la politique saoudienne au Yémen. C'est-à-dire considérer que la priorité aujourd'hui, c'est d'éliminer la rébellion houthiste. Il faut préciser que, alors que Bush et Obama étaient les alliés constants de l'Arabie Saoudite, mais s'en sont beaucoup méfiés, aussi bien Bush par son père qu'Obama pour des raisons géopolitiques, notamment quand il a essayé de louer une alliance avec l'Iran. Visiblement, Trump, lui, a décidé de ne plus se méfier des Saoudiens et de leur apporter un soutien franc et massif, ce qui est effectivement une nouveauté. Enfin. Dans la politique américaine de ces 8 dernières années, enfin même 12 dernières années. Et si bien que ce basculement dont vous venez de parler peut parfaitement impliquer qu'il y ait un engagement beaucoup plus direct qu'aujourd'hui de l'armée saoudienne qui pourrait décider d'envoyer des hommes de bombarder directement des positions. Ce qui, là, constituerait une escalade, je pense, et qui aurait finalement peu de chances de fonctionner plus que ce qui se passe depuis 2 ans. Alors, on arrive presque au bout de notre entretien. Je pense qu'il va falloir peut-être passer un moment ou un autre la parole à nos publics, puisque il y a une partie de cet entretien qui dure 1h30 qui est réservée à 15 minutes, hein, qui sont réservées à des questions que vous pourriez poser. 3-4 questions, des questions, hein, pas des déclarations, des questions. je serais très dur. J'aurais juste voulu terminer avec vous. Ce qu'on a fait, en fait, pendant 1h30, c'est qu'on a décrit une situation qui, visiblement, ne trouvera pas de solution récente. On a levé quelques espoirs, tout de même. On a vu que pendant 9 mois, la population yéménite avait été capable d'établir de parler entre elles et d'établir un long processus de discussion. On a vu que la société civile pouvait était extrêmement complexe et avait l'habitude des solidarités. On a vu aussi qu'il y avait un long et très ancien processus de compromis entre des populations qui ne peuvent pas s'exclure l'une l'autre parce qu'elles vivent ensemble depuis très longtemps et que les minorités, ce ne sont pas des toutes petites minorités, mais d'importantes minorités de part et d'autre. Est-ce que vous pourriez nous... Est-ce que vous êtes allé récemment d'abord au Yémen, tout simplement ? Est-ce que vous êtes retourné récemment ? Oui, en fait, je suis allé... Lorsqu'il y avait ce congrès de dialogue national, c'était à mon bout de calme. Je suis allé 2 fois. Une fois pour la fête du l'Eid. Et une fois, j'étais invité pour une conf à la fin du mois de décembre. Alors, très bien. Et est-ce que vous avez un peu d'espoir pour ce pays qui est le vôtre ? En fait, oui, sur la paix, c'est une question importante. On avait déjà formulé un petit peu... La vision de la paix, côté houthiste, côté Salé, côté l'Arabie Saoudite, c'était implicite dans ce qu'on avait dit. Côté loyaliste, c'est le retour du Hadi. Mais en fait, Hadi n'est pas de Gaulle, Riyad n'est pas Londres. Donc, il n'est pas quelqu'un. Voilà, c'est pas du tout. Donc, ça reste basé sur le retour du Hadi. On peut le sacrifier si on peut trouver la paix. C'est pas pour moi, c'est oui, pas fondamental. C'est pas le problème. En revanche, je veux dire, il faut pas que la paix soit un rafistolage comme les formules qu'on avait vues avant. On a vu le plan du CCG, le Congrès national. Non, il faut que donc
un cessez-le-feu, certes, mais il y a au moins 4 nœuds gordiens qu'il faut absolument dénouer pour qu'il y ait une vraie baie complète. Et alors, allons-y, comptons-les. Voilà. Le premier. La question sudiste, on en a parlé. Il faut trouver une solution. La question nordiste. Oui. la question houthiste. Il faut, justement, je reviens sur Ibn Khaldoun, il faut détribaliser cette région-là. D'accord. Donc un bout de vie urbaine là-bas, un bout de vie urbaine dans cette région-là, d'accord, pour que les gens soient plutôt, ils ne vénèrent pas plutôt la République. Donc et pas Monseigneur Al-Houthi. Vous voulez dire que voilà. ce sont des paysans là-bas dans le Nord et qu'il faudrait qu'ils soient... Non, cette région-là, on a négligé. Cette région-là, c'était négligé par Salé. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Ils ont eu 6 guerres injustes. On les soutenait à mort durant cette époque-là. Mais voilà. Et troisième chose, il faut... L'éducation est très... il faut plein de vous. Délétère en ce moment. Plein de gens comme vous, c'est ça. Voilà. Non, j'allais dire, en fait, donc... il faut revenir un peu aux espoirs des gens du printemps qui ont scandé le mot état civil avec E majuscule, état civil. Donc là, faire le minimum de l'état de droit moderne, mais il faut que ça fasse partie de la paix qu'on propose. Une paix un peu avec un arrangement politicien, ça ne marchera pas. Bon, même si par exemple le Yémen, la question du Yémen n'a aucun rapport avec la Colombie, mais on voit bien qu'après 52 ans de guerre, ça a marché parce qu'on attaquait aux questions fondamentales. La réforme agraire, le partage de pouvoir, mm-hmm. Il faut quelque chose qui résonne. Il y a deux conditions nécessaires pour que ces quatre... Uh-huh. La quatrième, je vais vous donner l'algorithme de la paix au Yémen. J'en étais à 3, moi. Le quatrième, c'était quoi? La question sudiste, la question nordiste aussi. La quatrième qui est importante, personnellement, je tiens... C'est en fait réduire le rôle des momies. Au Yémen, c'est bloqué parce que les momies politiques sont partout. La gérontocratie. Voilà, donc je rappelle, quand j'étais enfant, il y avait des leaders qui sont aujourd'hui des leaders, sauf que mes chevaux deviennent blancs, et leurs chevaux ils sont plus noirs que jamais. Je ne sais pas combien de montagnes du noircisseur de chevaux qu'ils utilisent. Donc il y a un problème. Et ces gens-là, il faut qu'ils soient écartés, sinon ça va être bloqué de jamais. Deux conditions nécessaires pour que ces quatre... La première chose, il faut un autre rôle de la communauté européenne, de la communauté internationale et de l'Europe en particulier. Si on laisse le dossier yéménite aux pays du Golfe et l'Arabie saoudite, ça ne marchera pas. Ces pays-là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce qu'ils souhaitent, c'est un chaos contrôlable. On oublie, on donne, il y a des tribus qui se bagarrent tout le temps. L'Arabie saoudite donnait ce qu'on appelle la commission spéciale de l'argent à toutes les grandes familles, à tous les chefs de tribus durant des années. L'Arabie saoudite fait ça très bien. Oui, donc on fait ça, c'est ce qu'on souhaite pour le Yémen, et après on l'oublie, on le marginalise, on le soit marginalisé à tout jamais. Donc il faut... Première condition, éviter le tête-à-tête avec l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. L'Europe intervienne, parce qu'en fait, l'Europe, son obsession en ce moment, c'est la guerre contre le terrorisme, mais en fait, on est en train de jouer contre les résultats. Mais les vraies causes du terrorisme, on les attaque pas. Et la deuxième condition, la et après, je vous promets, on vous passe la parole. Ben voilà. Il faut que... C'est un suspense. Voilà. C'est-à-dire, il faut... actuellement, toutes les forces de la révolution sont éparpillées, sont abattues. Donc il faut réunir... C'est un cessez-le-feu et que les gens sur place inversent la région avec l'aide de la communauté européenne. J'arrête là. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup. Donc, 3-4 questions à vous. Ah, ben aucune. On peut passer à la suivante s'il n'y en a pas. Absolument rien. Il y a un peu de gaz, oui. Oui, bonsoir. En Éthiopie, le 4. Non. Il y a du 4 ah, ils en produisent aussi c'est même Ah oui, bien sûr. Oui. Pardon. Oui, bonsoir. Une petite question d'abord anecdotique. C'est le raid américain du 29 janvier qui est soldé par un échec. Les Américains ont été très surpris de voir que les femmes avaient pris les armes contre ce raid. Est-ce que c'est une résurgence des libéralités du Yémen du Sud, premièrement. Je vais tout dire d'un coup. Et vous n'avez pas parlé ni des Émirats Arabes Unis, ni de l'Iran. Alors voilà, oui, ça, je m'en veux beaucoup de ne pas avoir parlé de l'Iran, je m'en veux beaucoup, mais parce qu'en fait, si je peux me permettre de répondre pour vous deux, parce qu'en fait, je pense que
Ce que j'ai pu en lire, ce que j'ai pu se peut savoir, l'Iran ne joue pas. L'Iran est un peu un espèce d'instrument entre les mains, notamment de ceux qui veulent montrer qu'il y a une vraie bagarre sunnite-chiite. Mais je pense que l'Iran est plus embêté qu'autre chose dans l'affaire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, j'irais peut-être un petit peu plus loin dans le sens où je pense que cette affaire, d'une certaine manière, arrange largement l'Iran parce que ça lui permet à moindre frais, et c'est-à-dire donc en ayant une action assez minimale ou assez réduite, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action, mais une action réduite, d'embêter en fait les Saoudiens. Et d'une certaine manière, ça marche. Le rôle de l'Iran, je pense, a été, on va dire, une espèce de d'adjuvant idéologique. C'est également sans doute une force de financement, sans doute aussi un armement. Il y a un certain nombre d'experts qui sont très sérieux, qui expliquent que un certain nombre d'armes aujourd'hui utilisées par les Houthis ont été fabriquées en Iran et n'existaient pas avant. Donc il y a bien eu un input récent. Mais simplement, ce rôle-là n'est absolument pas structurel. L'essentiel du conflit, pour moi, se structure autour d'une rivalité entre élites. Et c'est pourquoi, moi, par rapport à la formule magique, mathématique que nous a donnée Habib, je pense qu'il est important d'avoir un compromis entre élites. Ce compromis entre élites est le seul qui permettra, finalement, aux élites qui sont les principales responsables de la guerre, de baisser les armes d'une certaine manière. Mais ce compromis entre élites est insuffisant, dans le sens où il faut aussi fournir à la population un certain horizon, et particulièrement un horizon économique. Et quand on parle tout à l'heure, il y avait la question sur les ressources du Yémen. Si on prend le Yémen en tant qu'entité séparée de la région, il y a quasiment aucun avenir. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les ressources en eau, qui sont la chose la plus basique, sont extrêmement basses. C'est parmi les plus basses du monde. Vous avez la ville, la capitale, Sanaa, qui est donc à plus de 2000 mètres d'altitude, qui risque, dans les années à venir, d'être la première capitale au monde à voir ses ressources aquifères épuisées. Comment est-ce que vous déplacez une ville de 3 millions d'habitants du jour au lendemain ? Donc, c'est des défis qui sont absolument énormes. Ces défis-là, au lieu, on peut les prendre de façon, on va dire, pessimiste, et on peut l'être, mais simplement, on peut aussi considérer que c'est une chance pour la région de réfléchir et d'envisager peut-être sur le long terme qu'est-ce qu'on peut faire du Yémen, qu'est-ce qu'il devient. Le Yémen, c'est une charge, certes, mais ça peut aussi être une opportunité. Et je pense que c'est une opportunité particulièrement pour les pays voisins, pour les pays du Golfe, tout simplement parce qu'il y a une main-d'œuvre qui souvent est mieux éduquée que dans d'autres pays, qui peut-être est davantage laborieuse parce qu'il y a les travails des champs, c'est une société qui est très rurale. Et puis aussi, c'est un marché. Et quand vous avez 30 millions d'habitants à côté de l'Arabie Saoudite qui, elle, essaient, et les Émirats Arabes Unis qui, eux, essaient de diversifier leur économie, c'est malgré tout une carte qui peut être jouée. Sur les femmes, vous voulez peut-être répondre rapidement ? Oui, très rapidement, parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, effectivement. Mais je ne suis pas dans la tête de ces femmes qui ont pris les armes là dernièrement, donc je ne pourrais pas parler à leur place. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a un fort militantisme féminin depuis, qui existe au Yémen depuis très longtemps. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, qui a ses racines dans le protectorat à Déni, puis après, à l'époque marxiste. Je pense que ce militantisme s'est diffusé largement dans l'ensemble du pays. C'est quelque chose qu'on voit très bien à Sanaa. Même les filles qui sont en niqab, enfin, on en rencontre beaucoup, qui ont un discours extrêmement véhément. Ces femmes travaillent, elles conduisent, elles sont très actives dans la vie de tous les jours. Et donc, effectivement, elles prennent part à la vie politique. Une autre question. Je vous laisse gérer parce que je ne vois rien. Monsieur. Bonjour, merci. Bonjour. Tout d'abord. Alors moi j'avais une question en fait, c'est que tout à l'heure vous parliez du fait qu'on commence à avoir un enlisement sur le théâtre yéménite. Donc il semblerait assez nécessaire que le règlement de ce conflit se passe par la négociation, la diplomatie.
Vous parliez également que c'était une des raisons pour laquelle il fallait sûrement pas se confronter directement à l'Arabie Saoudite comme l'acteur principal de cette négociation. Et vous parliez de l'importance de l'Union européenne qui pourrait prendre ce rôle justement de modérateur entre guillemets. Est-ce que la clé ce serait pas plutôt de rester dans le Golfe et de donner l'avantage à un État qui est diplomatiquement plus neutre, comme pourrait l'être le Sultanat d'Oman, pour Roman, justement créer cette nouvelle place diplomatique entre les deux pays. Là, je peux juste répondre à Roman qui effectivement partage une frontière avec le Yémen, qui fait d'ailleurs partie de ces peu de pays au monde qui n'ont qu'un ou deux voisins. Le Portugal en Europe est le seul pays en Europe à n'avoir qu'un voisin, et le Yémen en a deux. Oman sert déjà de base à beaucoup de discussions. Hein. Le Sultanat d'Oman, qui est un pays effectivement relativement stable, beaucoup plus discret en tout cas que les autres, que c'est beaucoup plus discret parce que disposant aussi de moins de ressources, et puis avec une structure beaucoup plus traditionnelle, on va le dire un peu comme ça, et sert déjà de base de discussion. Son sultan est réputé pour ça. Donc oui, probablement pour des tas de raisons, parce qu'il est frontalier avec le Yémen, parce que c'est déjà une base diplomatique importante, et parce qu'au fond, c'est un moyen de discuter discrètement dans la région sans aller forcément se rendre à Riyad. Mais la réalité, me semble-t-il, vous me le confirmerez, hein, c'est vous le spécialiste, la réalité, c'est que la réalité du pouvoir et de l'influence et de l'argent ne sont pas vraiment à Oman où on va passer des vacances, en clair, mais c'est en Arabie Saoudite. Oman peut jouer un rôle important, notamment parce qu'ils ont des relations qui sont plus apaisées que les autres monarchies du Golfe avec l'Iran. Et donc c'est une carte qui, de toute façon, doit être jouée. Il y a eu ces derniers jours peut-être une résurgence ou un nouvel espoir. Mais je pense que de toute façon, ça risque bien d'être insuffisant. Et il est important, et particulièrement par les temps qui courent, considérant aussi la relation entre l'Allemagne et puis les États-Unis depuis quelques jours, de bien considérer que l'Union européenne a aussi elle-même une carte importante à jouer, ne serait-ce parce que les monarchies du Golfe ont peut-être de l'argent, ont peut-être une volonté, parfois, et ça a été le cas par exemple du Qatar pendant un certain nombre d'années, de jouer le rôle de pacificateur, mais elles n'en ont pas forcément l'expérience. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand on regarde tout ce qui s'est passé avec le Qatar pendant les années, la fin des années 2000, c'est que souvent, ça a échoué, tout simplement, parce qu'il y avait des promesses de financement qui parfois ne sont pas venues, et puis pas nécessairement les mécanismes, l'expérience pour réellement mettre en place des processus de paix. Et de ce fait-là, l'expérience d'un certain nombre, soit d'organisations internationales, soit de Norvège, pourrait être bénéfique. Oui, c'est vrai. En Europe, on a ça à faire la paix. En tout cas, des pays qui se sont même quasiment spécialisés dans les faiseurs de paix, on a. Une autre question ? Monsieur ? Et ce sera la dernière. Bonjour. J'ai une petite question, mais j'aimerais bien, avant de poser ma question, d'ajouter quelques éléments peut-être qui vont... Ah non ! Posez votre question. Je suis obligé, en fait, je ne peux pas me permettre de passer devant le manque, si j'ose dire, de quelques éléments. J'aimerais bien revenir sur l'imama. Non, s'il vous plaît, posez une question. Parce qu'il est 30, on doit rendre la salle à 30. Donc, il faut vraiment juste que vous posiez une question, s'il vous plaît. Voilà. Mim Fadlak. D'accord. Ben, j'aimerais bien. Ma question, c'était comment vous voyez la résolution 2216 dont on n'a pas parlé et dans laquelle il y a. Une feuille de route très claire pour mettre fin à la guerre et pour bien définir ce qui se passe dans le pays à partir de fin 2014. Merci. Alors, cette résolution a été, c'est une résolution de l'ONU qui a été effectivement adoptée à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité avec une abstention russe qui, d'une certaine manière, fait porter la responsabilité entière du conflit sur les houthistes et reconnaît la pleine légitimité légale et constitutionnelle au président Hadi. Il se trouve que cette constitution a été très largement dictée
par l'Arabie Saoudite, rédigé par la Jordanie et adopté donc dans un moment où finalement personne n'y comprenait grand-chose à la situation. Et donc, elle a gravé dans le marbre la légitimité du président Hadi. Or, aujourd'hui, même si cette légitimité, on pouvait la discuter, on pouvait la reconnaître à l'époque, il reste que le président Hadi constitue, d'une certaine manière, un problème politique. C'est-à-dire que, y compris pour des acteurs et des groupes que sur les vidéos, sur les photos qui introduisaient, vous voyez comme pro-gouvernement ou pro-Hadi, eh bien, eux-mêmes vont contester son pouvoir. C'est particulièrement le cas dans le Sud. Et donc, sa base, on va dire politique, est extrêmement ténue. Elle est d'autant plus ténue que les soutiens à l'international, et là, on arrive aux Émirats Arabes Unis, ne sont pas tous derrière Hadi, et voire même souhaiteraient le voir remplacer. Or, il se trouve qu'on a une résolution qui, d'une certaine manière, inscrit dans le marbre sa légitimité, et alors que politiquement, elle semble ténue. Quelle est la solution? À partir du moment où la légalité internationale reconnaît Hadi comme le président, moi, je ne sais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, sans doute, une des solutions à trouver serait dans la rédaction d'une nouvelle constitution qui apparaîtrait d'une part comme plus mesurée, c'est-à-dire offrant peut-être une porte de sortie plus acceptable politiquement par les houthistes, et d'autre part permettrait d'établir un horizon institutionnel pour l'arrivée d'un nouveau président. En fait, ce que vous voulez dire aussi, c'est que cette résolution, effectivement, qui a posé une solution, en fait, elle acte surtout le sous-traitement de la guerre ou des problèmes ou des solutions à trouver au Yémen à l'Arabie Saoudite, puisque c'est sa vision qui s'est imposée à cette occasion. Oui. Alors, il y a peut-être aussi une chance par rapport. On a souvent tendance à comparer la Syrie et puis le Yémen. C'est bien le rôle de la Russie, c'est-à-dire que alors qu'on peut estimer que le rôle russe en Syrie a été extrêmement disruptif, aujourd'hui, les Russes au Yémen, bien qu'ils aient des contacts établis avec l'ancien régime du président Saleh, ne jouent pas un rôle, négatif. Et donc, il faut sans doute aussi établir des discussions avec les Russes pour trouver justement une solution qui soit acceptable par tous. Et quand on veut discuter, il est entendu qu'il faut que chacun fasse d'une certaine manière, un compromis. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit réapparaître les Russes, hein, même dans un territoire où ils étaient longtemps influents, puisque en République populaire du Sud du Yémen, ils étaient très, très influents. Y compris au Nord, en fait. Dès les années 30, il y a des relations diplomatiques avec l'URSS. Ouais. Vous vouliez rajouter quelque chose, Habib? Cette question est importante, je pense. Oui, elle est importante, oui. Donc, dans la résolution 2216, il n'y a pas de 4 là-dedans. Il y a pas que Hadi. Il faut que les butchistes rendent les armes. Je suis absolument d'accord. C'est indispensable. Tout a commencé par ça. Il faut qu'on revienne de manière circulaire à ce début-là. Rendre les armes au Yémen, voilà. Oui. Et une Kalachnikov au moins par personne. La catastrophe a démarré ici. Donc il faut absolument... Oui. En fait, si on voit les 4 projets du la paix, par rapport à cette résolution-là, on voit bien qu'il y a un dilemme cornélien important, mais ça reste, cette résolution-là, certains de ses côtés, restent le côté, même si ce n'est pas très prometteur... Ça dit le droit. Ça dit le droit. En tout cas, voilà. ça pose le droit, même si c'est... Voilà, donc c'est ce qui donne quelques horizons pour démarrer. Après, bon, il faut peut-être sacrifier quelqu'un ou... Le président, par exemple? Oui, Hadi, pour moi, ça constitue... Ça n'a aucune... Oui. En fait... Il est dans les hôtels 5 étoiles de l'Arabie Saoudite. Il a quand même été très longtemps le vice-président de Saleh, quand même. Il faut bien le dire. Oui, absolument. Il a décrété que Aden est une ville et capitale du Yémen, mais Aden est abandonnée complètement, pas d'électricité, les gens meurent de chaleur, meurent de dépression, meurent de suicides. Il ne fait rien, il vient passer certaines vacances, le mois de Ramadan peut-être. Donc c'est des gens qui ont été, comme vous avez dit, les collaborateurs de Saleh. Il utilise ses méthodes sans Saleh. Donc voilà, ce n'est pas ces gens-là qui ont l'avenir de la paix au Yémen. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette heure et demie de l'entretien sur l'art. Merci beaucoup d'être venu. Et puis à très bientôt. Merci à vous d'avoir participé. Merci.
Et je remercie bien sûr l'Institut du monde arabe, M. Jack Lang, et puis tous les organisateurs de ces entretiens qui, je pense, vraiment sont importants. Merci.